Allô? Il te reste 7 jours à vivre. Salut à tous, maintenant qu'on a passé en revue toutes les scènes d'Inception, on va faire un épisode un petit peu plus léger. Aujourd'hui on va parler du film The Ring, ou Le Cercle en français, et on va parler plus particulièrement de Samara Morgan. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, Samara Morgan c'est une petite fille qui tue toutes les personnes qui regardent une cassette maléfique, et cela au bout de 7 jours. J'allais oublier un petit truc important, elle est morte. Sa mère l'a poussée au fond d'un puits, elle a survécu pendant 7 jours et elle sort de ta télé pour te tuer. Mais regardons plutôt l'extrait qui nous intéresse aujourd'hui. Maintenant que vous savez précisément de quoi on va parler, on passe aux choses sérieuses. Alors comment faire pour réaliser ce trucage? Pour commencer, on va filmer une première fois la scène entièrement sur fond vert. On prend notre actrice, on lui lacère le visage, ou sinon on lui met juste du maquillage, ça fait le même effet. On lui met un fond vert derrière elle et un devant pour simuler l'encadrement de la porte qu'elle va devoir enjamber. Ensuite, on filme une deuxième fois la scène, mais juste le décor cette fois-ci. Quand on a ces deux plans, on file tout ça au monteur. Pour faire sortir notre petite fille de la télé, on va utiliser la technique de l'incrustation par fond vert. Alors pour ça, on va prendre notre première vidéo et on va supprimer tout ce qui est de couleur verte pour garder que le personnage. Ensuite, on superpose la première vidéo à la seconde, comme ça on a le personnage sur le décor. Quand on a fait tout ça, on ajoute un filtre et du bruit sur l'écran de télé pour rendre ça réaliste. Pour finir, quand Samara sort de l'écran, on enlève le bruit et on met un léger effet de déformation sur les contours pour voir la différence entre l'écran et le réel. Et hop, le tour est joué. Cette scène est vraiment bien réalisée et pour cause. Le superviseur des effets spéciaux est Charles Gibson. Si vous ne le connaissez pas, c'est lui qui est derrière les effets spéciaux de Pirates des Caraïbes, Hunger Games La Révolte ou bien Babe, le cochon devenu berger. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si j'ai dit une énorme connerie, dites-le moi dans les commentaires avec une source bien sûr. Vous pouvez partager la vidéo et vous abonner à ma chaîne pour savoir quand est-ce que je sors un nouvel épisode. Salut !